Réunis récemment à Sangouiné, des milliers de femmes venues de plusieurs préfectures ont appelé Edwige Dietti, président de la Fondation KED, à les représenter aux élections régionales à venir. Crédité de plusieurs actions au bénéfice des couches vulnérables de la population, dont les femmes, Edwige apparaît pour la gente féminine comme une alternative à la monotomie dans le Tampi. Les femmes de la région du Tampi, souhaitons que vous soyez notre porte-flambeau cette année aux élections régionales. Pour être plus clair, vous êtes la candidate de toutes les femmes de la région du Tampi aux élections régionales. Pour Edwige Dietti, il faut essayer une femme à la tête du conseil régional du Tampi, d'où sa réponse sans embâge aux sollicitations des femmes. Mes chères mamans, mes chères sœurs, parce qu'ensemble nous pouvons, je crois que votre demande vient de votre cœur. Et je me dois d'être le plus sincère avec vous, mes chères mamans. Je l'affirme tout haut aujourd'hui, ici à Sangouiné. Cette année sera l'année des femmes. Notons qu'au cours de cette cérémonie, la marraine Edwige Dietti a offert des intrants agricoles d'une valeur de 5,5 millions de francs CFA et la somme de 10 millions pour leur projet.